C'est en présence chef gouvernement, premier ministre Ariel Henry, diverses personnalités dans le domaine éducation et plusieurs partenaires financiers, célébration journée internationale éducation a déroulé à Nissa en baptême. Courir l'éducation, assurer l'avenir. Dans l'hôtel dans Pétionville, mercredi 24 janvier 2024, la ministre éducation Nismi Maniga salue les efforts chaque jeune a fait pour continuer à apprendre malgré conjoncture difficile là. Pendant le souhaité les efforts ça multiplié bon côté chaque jeune acteur dans système non pourquoi pe mauvais vent désespoir qui a soufflé sous pays là. Mes premières pensées sont à l'endroit de tous celles et ceux qui résistent et qui se battent au quotidien, pour que le droit à l'éducation, l'éducation au vivre ensemble, l'éducation à la paix, constitue un des piliers fondateurs du renouveau d'Haïti. Cela constitue le socle sur lequel l'école repose. À ces passeurs de culture, ces passeurs d'histoire, de mémoire, à ces passeurs d'espoir et que les voix des enseignants, des chercheurs, des penseurs, que les voix des artistes, que le clapotement des claviers d'ordinateur des scientifiques résonnent plus fort que le bruit des armes à feu. Et c'est ce qui nous réunit tous ici ce matin. C'était occasion pour responsable MENFPA honoré 8 lauréats national qui t'a participé dans divers examens officiels yo. Dans même cérémonie si là, ministre agriculture Charles Bredi, ministre planification Henri Carpierre et puis ministre Maniga présenté document qui gagne politique ak stratégie nationale alimentation et scolaire l'année 2024-2030 là. C'est depuis dans l'année 2018, UNESCO a déclaré journée 24 janvier à c'est journée internationale éducation. Apprendre pour une paix durable, ce thème ça a organisation Nations Unies pour éducation, science et culture choisi pour célébrer 6e édition à année ça.